Je me permets d'attirer votre attention, bien sûr. C'est une véritable légende. Un vétéran qui a encore des trucs à apprendre aux jeunes après 20 ans de carrière. Mais il y a... Mais c'est un vieux crouton, moi je vais le fusiller, moi. Oh mais merde, j'ai pas vu qu'il avait une épée. Bon, il était visiblement un peu costaud pour nous. Je pense qu'on a fait un petit peu notre taf ici. Bon, du coup, on n'était pas venu pour là. On va pas se soigner, puisque normalement, il y a de quoi se soigner plus loin. On est à la salle de concert, voilà, tout va bien. C'est qui, lui? Ne m'en veuillez pas, mon brave, mais je ne peux pas vous parler. Ok, bah ta gueule. Sortons d'ici. On a fait notre petit tour à la cantina. Ici, on peut pas se faire soigner, c'est plus loin. La clinique. On va à la clinique. Allez, avance. Man, d'accord. Je sais pas pourquoi il y a des petits bugs de langue comme ça. J'ai dû cuter l'installation. Après, c'est pas évident de jouer à ça sur Windows 8. Il y avait Windows 8. Ça a été que voulez-vous ? Grosse galère installée. Ma conscience m'empêcherait de vous dénoncer. Merci Kiki. Tu peux peut-être me vendre des trucs aussi. J'ai créé. Du coup, on va prendre du Medicap. Medicap. Medipack. Medipack amélioré. On va en acheter quelques-uns. Ah merde, il en a pas beaucoup en fait. Voilà, de toute façon on va en ramasser. Ah oui, j'ai le bouclier, c'est ça que j'avais oublié. Il faut l'activer le bouclier, c'est pas comme dans The Old Republic. Je me fais un peu avoir parce que les mécaniques de jeu sont pas les mêmes. Ici, les appartements. C'est ça qu'il faut faire. Par contre, voilà, je vais aller ici. Pitié humain, je suis blessé, j'ai besoin d'aide. Ces jeunes humains me lancent des pierres, ils ne vont pas arrêter. Fous le camp, espèce de monstre. Ouais, retourne d'où tu viens. On veut pas de saleté dans ton genre ici. Mais c'est sale gosse. Ouais, et pourquoi un humain voudrait t'aider? Les jeunes. Ouais, je suis vraiment un petit enculé. Pourquoi tu t'en fais pour cette saleté d'étranger? C'est rien qu'un monstre. Ils ont vraiment des têtes têtes à baffe dans la ville haute. Désolé, moi si. Hé, hey, les jeunes, filez avant que je vous mette une bonne raclée. Oust. Ah, courez. Je suis désolé humain, j'aimerais pouvoir vous offrir une récompense, mais je n'ai rien sur moi. D'accord. Je dois vous laisser à présent, ma compagne risque de s'inquiéter. T'as une meuf toi? Alors, du coup, on a dit qu'on allait vers les souterrains. Pam 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 pam. Il manque une petite musique de fond ici. Quand, nos jours. Je dis pas que les mendiants remontent dans la ville haute. Seriez pas mieux dans la ville basse et que les autres rebutent. Alors là, c'est la meilleure. Bah, laissez tomber les gars. L'en vaut pas la peine de toute façon. c'est ouais, quoi ces voix? Je crois bien que vous avez raison. Allez les gars, hip, on s'en hip, va. Hip. Allez les gars, on s'en va. Oh la vache, c'est le démon qui a doublé ces jeux.
Est-ce qu'on peut récupérer notre droïde tout de suite ou pas? Je sais qu'on peut l'avoir. Je t'ai vu dans la liste des persos. Hatu Apanki. C'est pas grave. Bom 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 badum. Alors. Cet ascenseur est interdit. Vous n'avez clairement j'ai un papier, pas gros. L'uniforme d'une de nos patrouilles. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Soyez prudents en bas. Ces gangs tirent sur n'importe qui. Ok. Ok, ta match. Ah bah ça commence. Ça commence déjà. Est-ce qu'on a une petite grenade? Non, on va arrêter avec les grenades, ça coûte cher. Mais il y a trop du monde, sa mère. Attends, le truc va tenir un petit coup. Hop, on y va. Du coup, c'est con parce que je suis revenu en fait au même endroit. Je pensais pas que... On a déjà fouillé ça. Merde, ouais, en fait, j'ai complètement... Je suis un peu couillon. Alors je crois qu'il y avait une patrouille site. Une patrouille site au bout là. C'est peut-être là les portes. Vous m'excuserez, je me souviens plus trop du jeu en lui-même. Bon, après tout, je suis censé jouer comme un gars qui n'y a jamais joué. En fait, ça se trouve, c'est peut-être juste là. Il y avait un patrouilleur site devant une porte. Allez, avance. Je crois que c'est là-bas. Bon, ça m'aura permis au moins d'aller chercher mon jeu de Pazak. Honoré de Pazak. La blague qui tue. Doucement, les tourelles vont rien me faire, doucement. À moins que vous n'ayez les papiers de sécurité adéquats, vous feriez mieux de faire demi-tour et donc. J'ai mes voyons papiers, gros. Ça. Merci. Donc les mutants, c'est les fameux Rakkul. Et toi là-bas, qui est de là-haut, tous ceux qui utilisent cet ascenseur doivent payer. Ouais, c'est notre ascenseur. Si tu l'utilises, faut nous donner quelque chose. Incroyable cette planète. Même les mendiants essaient de nous plumer. Cinq crédits. Bah, surtout les Monts Blancs. Les Monts Blancs. Surtout les mendiants, en gros, ils ont pas de thunes. Cours, mon frère! Fuis sa colère! Partez tous les deux. Sortez d'ici. Je suis désolé pour ça. Ces deux mendiants font une bien mauvaise réputation au village. Nous ne sommes pas tous comme ça, vous savez. Je n'en doute pas, mademoiselle. Mon nom est Shalina. Vous êtes du monde du dessus, n'est-ce pas? Bien sûr. Je suis désolée. Vous allez, êtes sûrement ici pour quelque chose. Elles ont toutes la même tête, là-dedans. Vous voudrez sans doute parler à Gandar. Mais si vous avez du temps plus tard, peut-être accepterez-vous de revenir me parler. Putain, mais va voir un psy, toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On peut même pas rentrer, c'est censé être une... Une habitation, je pense. D'accord. Ici, on peut sortir normalement. Attendez. Guérisseuse. Vous ne pouvez pas franchir cette porte. Si je vous préviens, c'est uniquement afin de vous protéger. Les villageois infectés par la maladie des Rakkul ont été mis en quarantaine. Alors, vous les enfermez dans une cage? Pour protéger le reste du village, nous avons dû enfermer les malades. Et nous les laisserons s'entre-déchirer. Quand ils se seront transformés en Rakkul.
Sympa. Adieu. Le mec il s'en bat les couilles. Bon, c'est vrai qu'en lumineux on creuse un peu plus le scénario, je vous l'avoue. Donc c'est le chef Bonjour. Du village. Il est rare de voir des gens d'en haut dans la ville souterraine. Ne le prenez pas mal, mais je comprends pourquoi tout le monde évite cet endroit. Que faites-vous dans ce lieu obscur que le soleil ne réchauffe jamais? Posez-moi vos questions et j'y répondrai de mon mieux. Mais je dois vous avouer que je ne connais pas grand-chose au-delà de la cité souterraine. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Récemment, notre village a reçu de nombreuses visites en provenance de la surface. Soldats en armure, gangs de pilotes de fonceurs, mercenaires. Ils viennent explorer notre monde sans lumière. Ils fouillent même les égouts. Oui, j'ai vu cette Twi'lek plusieurs fois, mais je ne lui ai jamais parlé. Elle et son compagnon Wookie passent souvent par le village quand ils partent explorer les égouts. Il existe deux accès aux égouts depuis la cité souterraine. L'un au nord-est de notre village, l'autre au sud-est. Mais les égouts sont dangereux, vous savez. Si vous osez vous y aventurer, je vous conseille de vous armer jusqu'aux dents. À moins que vous n'ayez envie de finir dans l'estomac des rat-ghouls ou d'autres monstres. Comme vous voulez. Allez, on se casse, donc on peut aller quand même aux égouts. Quelques rares villageois, les plus courageux, ont osé franchir la clôture. Ah, je crois que c'est leur prénom, mais en fait non, ils sont bannis, d'accord. D'accord. On fait un peu le tour du village. Vite, Andar, dépêche-toi, je l'entends qui arrive. Il n'y arrivera jamais, il est perdu. Je lui avais bien dit de ne pas quitter le village. Il va y arriver. Cours, Andar, fais vite! Ouvre la porte, vite! Pas de temps à perdre! Je ne peux pas. Les rat-ghouls sont trop près. Ces mutants vont le tuer, si tu n'ouvres pas la porte. Si j'ouvre la porte, elles nous tueront tous. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, c'est pas juste. Non. Par pitié, oh, c'est fais-lui ouvrir la porte. Sinon... Je ne peux pas ouvrir la porte, les rat-ghouls... Espèce de monstre! Comment oui, peux-tu dire ça? Faites quelque chose! Je regrette, Esther, mais on ne peut rien faire. Il est trop tard pour Endar. Non, Andar, non! Trop tard pour Endar! Ah bah, ça a été vite. Ça a été très vite. Donc, je suis un petit méchant. Sure. No problem. Quelle horrible fin. Bon, je ne pouvais... Oui, ouvre-moi la porte. Jacques. Bon, ça commence, il y a déjà un petit ragoul. Il m'a empoisonné. Ready. La vache. Ouf! J'ai bien fait d'acheter des petits antidotes, même si c'était par erreur. Yes. Ça pourra me servir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du coup un point. Où c'est qu'on va le mettre? En démolition, en sécurité, on peut pas. Premier secours, peut-être. On sait pas ce que c'est la vigilance, y'a rien de marqué? D'accord. Ok. On va se faire un premier secours. Non, on va garder. On va garder notre point. C'est mieux. Au niveau des dons, on a quoi là? Aux persuasions et au premier secours, ça peut nous être utile. On va y aller comme ça. Allez, go. C'est bon, t'es soigné, mec. What? Non. Bon, voilà, j'ai niqué un antidote pour rien. C'est un peu la haine. Je suis un peu dégoûté. Sure. On va essayer d'éviter les ragoûts, les... S'il vous plaît, vous devez m'aider. Personne d'autre le fera. Même les becs ne m'aideront pas. Et je peux pas le laisser là-bas, c'est mon ami. Elle court, mais sa voix reste stable.
Ces Albas, qu'est-ce qu'il va pas... il a des ennuis, de gros ennuis. Il faut l'aider, sinon ils vont le vendre comme esclave. Écoutez, mon ami Zalbar a de gros ennuis, alors n'espérez même pas que je vous aide en quoi que ce soit tant qu'il ne sera pas sorti de là. Eh ben on va aller l'aider. Zalbar et moi ont traîné dans la ville souterraine. En étant accompagné d'un Wookie, vous devez vous sentir à l'abri des Rakghouls, j'imagine. Mais cette fois, ils nous attendaient. Les Gamoréens, chasseurs d'esclaves. On n'a même pas eu le temps de fuir. Les Gamoréens, ces espèces de gros gardiens qu'on voit un petit peu dans les films Star Wars, avec des grosses têtes de cochon, des gros groins, des petites défenses, un petit casque et des haches. Ils vont le vendre à un esclavagiste, j'en suis sûr. Hors de question. Allez, c'est bon, je vais le chercher. C'est moi qui ai mis Zalbar dans ce pétrin, alors je viens avec vous. Je ne l'abandonnerai pas une deuxième fois. Oh. Eh ben, on a un nouveau passager. Marché conclu. Vous savez où ils leur tiennent ? Les Gamoréens vivent dans les égouts. Je parie que c'est là que nous trouverons Zalbar. C'est là aussi que se trouve l'entrée du repère des Vulcars. Eh ben c'est cool. Bon, on porte plusieurs Gugus, donc... Ok. Elle, niveau 3. Caractéristique. Elle a en dextérité. Ok. On va la mettre en quoi ? On va lui mettre un peu de force, parce qu'elle est un peu faiblotte. Faiblotte. Elle est pas mal en démolition. Elle nous récupérera des mines. Quoique non, en sécurité, on a peut-être plus besoin. Allez. Ok. Ok, c'est cool. Eh bien écoutez, on vient d'avoir un nouveau passager. La petite mission qui est très jolie. Une très jolie Twi'lek. Moi j'aime beaucoup. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais arrêter l'épisode là. Et dans le prochain épisode, on va aller à la recherche du Wookie. Allez, à plus !